d'ailleurs. Au revoir. Et puis à samedi alors. Non, on passe par en haut. Sont très bonnes, j'ai fait tes pieds. Allez, au revoir. Au revoir, merci. C'est tombé. Patrick et Serge Desonnet, jeunes musiciens et luthiers originaires d'Argenteuil, près de Paris, décidèrent un jour de quitter le brouhaha de la ville pour s'installer à Villerajouze, petit village de la commune de Blon, aux environs de Limoges, et de goûter ainsi une autre façon de vivre. Passionnés de musique traditionnelle, ils ont su rester entiers, préférant vivre leur musique sans chercher à jouer les paysans. C'est peut-être cette sincérité qui a conduit les habitants de Blon à les accepter et à les considérer comme des villageois à part entière. On est venu faire de la musique il y a 2 ans ici, puis on a rencontré des gens qui sont devenus des copains. Et puis on les a revus de plus en plus souvent, on est descendu et puis on a fini par s'installer définitivement ici. On n'était pas chez nous à Paris. Alors déjà, on avait besoin de place pour l'atelier, pour tout ça. Et puis, la campagne, on aime bien. Ouais. Et puis maintenant, je crois qu'il y a d'autres aussi qui ont trouvé que c'était très bien, parce que vous n'êtes plus 2 frères des Onem. Oui, il y a le copain Al qui est avec nous, maintenant. Ça a grandi un peu, ouais. La famille. Bah oui, puisqu'on joue ensemble, on fait la musique ensemble, alors c'est plus pratique d'être toujours ensemble pour faire un peu. Parce que lui, il était où avant? Moi, j'étais dans la Drôme. Et vous jouiez ensemble, c'était... Oui, on jouait ensemble. Quand on était à 600 km les uns des autres, ça posait certains problèmes. C'était pas pratique. On a raccourci les distances. Alors vous êtes arrivé ici avec vos cheveux longs, vos instruments de musique bizarres, votre musique plus ou moins bizarre aussi. Ça s'est passé facilement? Oui, ça s'est passé bien. Déjà, la musique, c'est pas une musique bizarre, parce que c'est quand même la musique qu'ils avaient entendue ici. Hein. Avant, on nous a parlé de gens qui jouaient l'accordéon diatonique, la clarinette à côté. Alors le lien, il s'est quand même bien fait par la musique. Une fois qu'ils ont vu qu'on faisait la musique, ils ont regardé, ils ont parlé, ils ont écouté, ils sont intéressés à ce qu'on faisait. Je crois que ça leur plaît bien. Votre manière de vivre, ça ne les a pas choqués? Je crois que ce qui les choque le plus, c'est quand on se couche à 3-4 heures du matin. Ça. Mais aussi, ils ont vu que des fois, on se couche à 3-4 heures et puis c'était pour travailler, alors aussi. Non, ils acceptent bien ça. Quelle impression ça a fait quand ils sont arrivés? Mauvaise impression. Pourquoi? Rien qu'avec leurs cheveux longs et leur allure. Quelle allure? Et de voir qu'ils ne voulaient pas travailler. Parce qu'ils ne parlaient pas? Si, mais... Ils jouent de la musique continuellement, c'est pas un bien beau travail. Vous les devez réparer, vous devez faire ceci et cela, et puis ils n'ont rien fait. Ah bon? Et ça vous a surpris, vous avez trouvé ça normal de voir des jeunes arriver? Ça justement, ça m'a surpris, je ne pensais pas qu'ils fassent le boulot qu'ils font. Ah bon? Oh non, ça, je ne pensais pas ça.
Et vous trouvez ça bien? Vous aimez ça? Oui, mais c'est pas ici qu'il le faudrait. Pourquoi? Parce que c'est pas le machin pour gagner sa vie, là. Mais il y avait une fille avec eux quand ils sont venus là. Il y avait une jeune fille qui était bien, ma foi. Mais elle est repartie, ils sont partis dans le nord, et la jeune fille est restée. Elle y est restée, et puis elle n'est pas revenue. Et ils sont revenus avec une autre. Là, il fallait bien le changement. Hein. J'aime la musique, j'ai aimé beaucoup la musique. Mais ce que j'ai aimé, c'était la musique de l'accordéon et la musette. Ça, arme du musette, moi. Et il joue de l'accordéon. Mais oui, mais... Je ne critique pas. C'est pas de l'accordéon comme vous aimez. Non. J'aime du Verschuren, du... En fait, notre musique, c'est celle qui ressemble le plus à des dessins d'enfants. C'est-à-dire, tu ne sais rien, tu as... au lieu d'avoir un crayon de couleur, tu as un violon, ou au lieu d'avoir un crayon un feutre, tu as une mandoline. Au lieu d'avoir une belle craie en couleur rouge et bleu, tu as une mandole. Et avec ça, tu ne sais rien du tout de ce que ça peut être le dessin, tu ne sais rien de ce que ça peut être la musique, et tu racontes quand même ce que tu as envie de raconter. Bon, si tu veux, pour moi, c'est un peu l'image de la musique qu'on a envie de jouer. Ce qui ne veut rien dire qu'on n'a pas envie qu'elle soit belle, comme les enfants, ils ont envie que leur dessin soit beau. En fait, toutes les chansons qu'on chante, c'est vrai, ça tourne autour des thèmes de l'amour, de la guerre, le travail, étant donné que le travail tel qu'il est fait actuellement, il ne nous intéresse pas tellement. On ne chante pas beaucoup de chansons de travail. Et vous faites aussi des instruments? Ouais. C'est bien quand tu joues d'un instrument de l'avoir fait déjà toi-même, c'est encore un plaisir de plus. Et puis le fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des tournées de musique tout le temps? Alors quand on n'est pas en tournée de musique, bon, si on a une semaine de libre, on n'a pas le changement de rythme, on n'a pas le temps vraiment de s'y remettre. Mais si on reste un mois à la maison, bon, on a envie de faire quelque chose. Pour nous, le plus dur, c'est de trouver les bois correspondants. Parce qu'il faut trouver des bois bien spécifiques, c'est-à-dire le noyer, l'érable, le platane moucheté, l'acajou. Bon, mais c'est tous des bois qu'on trouve encore relativement facilement, mais il faut les trouver très droits de fil, sans nœuds et surtout très secs. Ça faisait 2 ans qu'il n'y avait pas eu de feu de Saint-Jean là. Et puis c'est avec le comité des fêtes on avait parlé. Et puis ça s'est bien passé. Si vous faites partie du comité des fêtes? Ouais. Ça a été facile, hein? Ça s'est bien passé. Les gens étaient contents de recommencer à faire ce qu'ils faisaient dans le temps, quoi. Hein. À l'usine et puis je me promenais quand même un peu pendant quand j'avais des vacances, c'est-à-dire du 1er août au 31 août, j'avais droit à des vacances. Alors j'étais vachement content, tu vois, je partais avec mon petit camion, ma petite auto, puis je partais en vacances et puis un jour j'ai rencontré des gens qui faisaient de musique et qui m'ont surtout à un moment donné l'espoir que je pouvais faire autre chose. Tu vois ce que je veux dire là, quand je parle d'espoir, c'est ils m'ont pas donné simplement l'idée, ils m'ont donné l'espoir de pouvoir vivre autre chose que ce qu'on peut vivre en tous les jours dans un certain système, j'aime pas ce mot, dans une certaine société. Thank you.
faire des zonas, c'est quelque chose que j'ai pas trop rencontré encore avant. C'est des gens qui font de la musique sans chercher midi à 14h et qui savent quand même ce qu'ils veulent faire. C'est des gens où on arrive à bien se brancher ensemble parce qu'il y a, on ne fait pas de la musique, on la vit, tu vois, en plus. C'est-à-dire qu'on est là deux mois chez eux, nous on est deux mois chez eux, ils sont deux mois chez nous, et puis on taille notre bois, on fait notre bouffe, on soigne nos bêtes, on cherche à. On va travailler de temps en temps ensemble pour avoir de l'argent pour manger, puis on fait de la musique quand ça vient, comme ça vient.